Bonjour mes petits sabis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti pour se make-upiser un peu la tronche ensemble et faire un make-up qui est portable avec des lunettes. Cela dit, ça va être un peu compliqué de voir parce qu'elles se teintent à la lumière du soleil et elles sont un peu crânes, elles se teintent au ring light aussi. Donc bon, on va essayer de faire quelque chose de mignonnette. Dans un premier temps, je voudrais remercier la marque L'Occitane et le site Influence for Brent parce que je suis très heureuse d'avoir reçu le calendrier de L'Occitane. Ah, ça sent bon là-dedans, je ne vous dis pas le concept, c'est un truc de malade. Donc, les petits bonhommes, ils sont illustrés par Kanako et il est en vente sur le site l'occitane.fr depuis le 4 au prix de 49 euros. Et je trouve que comparé à d'autres calendriers, bah, c'est pas très cher parce qu'il y en a qui sont hyper chers. Donc voilà, je suis trop contente de découvrir votre marque au travers de ce merveilleux calendrier. Franchement, je suis trop gaise. Je vais l'ouvrir comme une gamine, sûrement sur Snap d'ailleurs. Je vous le mettrai juste ici, mon Snap. En tout cas, merci infiniment. C'est de la balle. Je suis trop contente. Dans un premier temps, je vais mettre le fond de teint de chez Rihanna, Fenty Beauty, en teinte 150. Je l'applique et je reviens. Donc après j'ai reçu un pinceau, même trois pinceaux de chez Yves Rocher, comme ça. Et en fait c'est en bois recyclable, je sais pas quoi. Donc ça m'a bien plu le concept et j'ai voulu tester. Je les ai lavés une fois, ils n'ont pas perdu un seul poil. Donc c'est plutôt de la bombe. Après je vais prendre la poudre de chez Fenty Beauty et le pinceau poudre. Toujours de chez Yves Rocher, c'est le 05 celui-là et le précédent c'était le 06. Donc je vais appliquer la poudre avec ça. Je matifie mon œil, on s'en fout quoi, t'as compris. Mais franchement j'aime bien, ils sont très très bien ces pinceaux, sincèrement. Ils font très bien leur job. Après, je vais tester avec vous le pinceau double embout, pinceau duo regard sculpté numéro 10. Je vais prendre le pinceau estompeur et la poudre Sephora Beauty Amplifier pour que le make-up dure toute la journée. J'aime bien cette base à pop, elle est efficace et mignonne. Dans un premier temps, je vais venir appliquer Hidden. Et si vous voyez que j'ai fait mes racines, je suis en plein chantier actuellement à mes amis. Donc ma pomme n'est pas finie. J'ai commandé le 10-01 de chez Revlon Young Color, qui m'a été conseillé par un ami coiffeur coloriste très loué dans son art, parce que je veux foncer légèrement, mais sans que ça me traumatise en fait. Donc affaire à suivre, je la ferai avec vous de toute façon. Là, j'ai juste fait un 12-81 au 40 volumes et le deuxième, je l'ai fait au 20 volumes. Et ce qui a donné cette couleur qui n'est pas moche d'ailleurs. Mais moi, en ce moment, je suis en pleine thérapie capillaire, je te dis même pas comment. C'est le cas de le dire, thérapie capillaire. Ah, c'est dans la vie, quand tu montes de 3 marches, parfois tu te casses la gueule de 5 marches. Mais bon, bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais en ce moment, Tata, elle est angoissée. On verra ce que l'avenir nous réserve. Donc, alors, le pinceau, là, il estompe super bien. Je suis franchement bien, bien contente du résultat que ça me donne. Franchement, l'estompage est nickel. Après, je prends le fard Musc. Donc après, j'ai sorti la Valentine palette. Elle est magnifique cette palette. Et je vais travailler d'abord ce rouge en point externe. Et après, je vais prendre ce marron. Et je vais fondre le tout. Je vais travailler ensuite le marron. Donc
Je prends ensuite Desert Sand. Je réestampe. Je prends le petit embout du pinceau et brochet et je vais mélanger rouge marron. Un ras de cils inférieur, extérieur, je sais pas, merde. En ras de cils, ici, là, je vais mettre le crayon noir de chez Clinique. Je prends l'highlight de chez Fenty Beauty, je mets celui-là. J'en mets aussi dans le coin interne. Je vais mettre le liner de chez Aiko qui est franchement bien. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de le mettre, donc c'est qu'il est bien. Il est bien, il est précis, il tient toute la journée. Voilà quoi. Je mets le mascara Paradise Extatic parce que je l'aime bien en ce moment, tout simplement. Il est très bien. Je mets un peu de crayon blanc en muqueuse de chez Make Up For Ever. En rouge à lèvres, je vais mettre le sans transfert de chez Sephora en teinte 13. Je voulais mettre du rouge, mais ça va pas trop le faire. Oh, écoute, je crois que je vais mettre du rouge. Donc, je vais mettre le 01 sans transfert que j'adore. Par-dessus tout, il est magnifique ce rouge. Aujourd'hui, j'avais envie de rouge, donc tant pis. Après, je vais faire vite fait mes sourcils parce qu'ils en ont besoin avec la Foolproof de chez Benefit. Elle est très bien cette poudre. J'utilise que la couleur foncée. Je tapote un peu dans la zone accentuée. Un petit coup de brosse. Donc voilà ce que ça donne avec les lunettes. Moi j'apprécie particulièrement. Maintenant vous ne verrez pas grand chose parce qu'elles sont teintées. Elles réagissent au ring light. Elles sont aussi starbées que leur mère, j'ai envie de te dire. Donc voilà. J'adore ce maquillage. Il est de saison. C'est parfait. Donc, on va passer à ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vais me couper la frange. Pour ce faire, là, c'est normal que j'ai les cheveux plus foncés et c'était mon but de foncer un peu ma racine. Donc, vous inquiétez pas. Alors, comment on va s'y prendre? On va s'y prendre comme ceci. On va faire un triangle. Smoking Cubans in Colombia. My oh my, I feel like Pablo. Sunday morning sipping Caesars. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je suis bien contente d'avoir coupé. Je trouve que ça me change de tronche et que c'est pas plus mal. Franchement, ça fait du bien au cerveau, une thérapie capillaire, je te dis pas. Et j'ai pas fini parce que je vais refaire une couleur pour foncer légèrement mon blond, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ce make-up vous aura plu. Et voilà quoi. Pour en conclure, les pinceaux de chez Yves Rocher, franchement, c'est de la bombe. Je les trouve archi bien. Ils estompent bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je les ai lavés sans aucun problème. Donc, je valide, tout simplement. Voilà. Alors, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Et puis, voilà. Franchement, je suis trop contente. Je trouve que ça se fond bien, en plus, avec ma couleur. Et là, c'est un peu violet parce que c'est quand on vient de faire son blond, généralement... Ça se barre au bout de 2-3 shampoings, c'est un peu normal. Enfin, violet gris, on va dire. Tu vois. Bref, j'aime beaucoup cette frange. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce à Tata pour si vous voulez que je fasse mon 10-01 de chez Revlon avec vous. Donc voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. J'aime beaucoup, ça fait du bien de se make-upiser un peu la tronche. Et franchement, la frange, elle me fait kiffer. Ça sera mieux au prochain shampoing quand je l'aurai retravaillé au sèche-cheveux, tout le bordel, bien évidemment. Mais j'adore.